Alors, j'étais là. J'étais là, du coup. Alors, je me souviens que si je passe par ce chemin, il y a. Voilà. Tempête de loup. Voilà. Je m'échauffe un petit peu. Hop. Merde. Voilà. Petite formalité. Alors, je vais juste revoir si. Au niveau du boss que j'avais fait la dernière fois, je vais en sortir peut-être un peu mieux. Spoiler, non. Mais je vais voir si j'y arrive. Ou alors j'ai regardé un petit peu par ici, parce que c'est vrai que j'ai pas été voir par là. C'est quelque chose de potentiellement intéressant. Pas de grotte ou quoi que ce soit. Sanglier, je prends. Oh non. Alors par contre, il y a des belles méduses. Possibilité de grimper ici, très bien. Peut-être pas forcément aller sur le boss tout de suite. Hein. Partir un peu en exploration, voir si je peux récolter quelques trucs qui peuvent me m'aider. Face à lui. Je me suis spoilé un petit peu du coup sur lui aussi, et sur lui également. Donc, comme je me doutais, il est immunisé aux dégâts de pétain cimetière. Il est immunisé à l'hémorragie. Mais par contre, il est faible au feu. Donc, finalement, dans mon dernier combat contre lui, c'était juste histoire de. Mes deux théories étaient confirmées. Pierre de forge. Voilà. Les squelettes, bien entendu. Ça, les squelettes, c'était à prévoir. Un cimetière en général, de toute façon, maintenant j'ai appris. Un cimetière, c'est squelette. Et du coup, j'ai pas les armes qui vont avec. Allez. On va continuer un petit peu. Ça peut se faire des piafs. Un œuf. Œuf endormi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais pas rester là. Je vais essayer de me mettre dans une zone save avant de regarder ce que c'est. Ah, là les méduses sont rouges. Merde. Un cimetière. Autre chose. Non, méduse rouge, je pense que c'est mauvais pour ma gueule. Ouais, c'est très mauvais pour ma gueule. Waouh, sa mère. Ok. Ah merde! Ah, son trou de trigger du coup. Est-ce qu'elles prennent cher? Oh, ça va. Faut juste que je fasse gaffe parce que j'ai pas encore. Elles empoisonnent, ok. Oula, vache! Ah merde, elles sont toutes trigger du coup. Oh bordel, et elles sont nombreuses. Elles sont très très nombreuses. Première fois que j'affronte les méduses. Faut que je fasse gaffe à l'empoisonnement. Ah merde! Putain, il y a les squelettes qui s'y mettent. Ah chier! Si j'arrive à récupérer les deux trucs qu'ils étaient en train de garder. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Je sais plus où c'est. Oh sa mère. Non, ils sont en train de le garder. Ils restent là. Bon. Squelette plus méduse. J'essaie même pas. Je me casse. Je tente pas le diable. Salut Zed! Salut Plors, comment ça va? Ça décède? Pas encore. Je viens seulement de commencer. Mais j'ai failli. Et ça va. J'ai effectué une nouvelle tactique. C'est très connu niveau militaire, ça s'appelle un repli stratégique. Je sais pas si tu connais. On pourrait apparenter ça à de la lâcheté pour le plus commun des mortels. Donc comme tu pourrais l'être, Plus. Mais chez moi, c'est une stratégie. Elles font pas mal, mais elles t'empoisonnent, c'est beaucoup de dégâts. Oui, voilà. C'est pour ça. Autant éviter des vols. Et puis en plus, j'ai les squelettes au cul. Donc si je les down, ça sert à rien, ils vont revenir. J'ai pas les armes faites pour. Éviter de. Merde, j'ai pas pu. Je pourrais pas le loot. Alors, Rémige et éclat de lumière stellaire.
Oh, je suis dans une zone plutôt safe. Je vais regarder mon inventaire. Restaure progressivement les PC. Ouais, ça j'avais vu. Ok. Je regarde un petit peu ce que j'avais aussi. Hein. Et j'ai beaucoup de runes. Beaucoup, beaucoup de runes. Ouais, j'ai ça. Alors, par contre, l'œuf. À quoi il. Là, l'œuf. Matériaux serveurs à fabriquer des objets. Ok, tout simplement. Au niveau fabrication, où est-ce que je me trouve? Bodo bénite, ça va. Chair exaltée, les attaques physiques. Temporairement aux attaques physiques. C'est vrai que l'autre que contre l'autre con, ça pourrait m'être très utile. Ici c'est quoi? Consomme des PC à lancer sur les ennemis pour accumuler du sommeil. Par contre, j'ai pas vérifié s'il était Ok, bon. Continue un petit peu à explorer par là. Bonne strat, la stratégique. Je devrais l'appliquer plus souvent. Exactement. Moi, je te le dis, hein, c'est un banger. C'est un must-have comme stratégie. Du coup. Faut que je retourne par là, du coup. Je vais retenter le boss contre lequel j'ai arrêté la dernière fois. On va voir si entre-temps le fait que je me sois. Le fait que j'ai dormi et puis que j'ai fait beaucoup de choses me permettent de faire un banger. Bon, je me souviens à peu près des cookies là. Attends 2 secondes. Ouais, j'ai plus de points incendiaires. J'ai plus de points incendiaires. Fabrication. Est-ce que. Qu'est-ce qui pourrait m'encore? Papillon flamboyant. Ok. Moi-même, c'est qu'un train peut difficilement faire marche arrière lorsqu'il est lancé. Oui, mais bon. Si tu trouves pas devant un train. Bon. On est parti. Je suis pas fou de vie, donc je suis un peu con, mais c'est pas grave. C'est juste un combat test. Voilà. Alors, déjà trop tôt. Ok. Pour le moment, c'est très mauvais. Mais très mauvais aujourd'hui, mais qui dit que ce sera pas encore pire plus tard? Bon, ce chevalier du creuset va me poser quelques soucis. C'est con, j'ai utilisé un enduit trop tôt. En même temps, 2 hits. Oui, bah oui. Ah, si j'avais une meilleure armure, et je dis pas. Allez, j'y retourne parce que j'ai pas assez souffert. C'est ma dernière, c'est mon dernier enduit. Et va falloir que je retourne à la chasse au. Faire que je retourne à la chasse au papillon. Allez, je le teste comme ça, je suis un ouf. Allez, le hit. Voilà, hit gratuit. Je me disais que je me souvenais de ses coups, non? Oh putain, j'ai failli faire ça trop tôt. Ah, c'est vrai qu'il me rush à chaque fois que je. Voilà. Merde. Les stocks qui passent pas. Voilà, ça va. J'arrive à me souvenir de quelques trucs. Là, par exemple, celui-là, je me souviens que je galérais à l'esquiver la première fois. Ok. Vas-y, ramène-toi. Damn! Ouf. Je suis à mon derche.
Ah dommage, j'ai pas assez backup. Dommage, j'étais trop focus, je me disais, oh putain, hé. Je me disais, je vais peut-être pouvoir y arriver, mais non. On va retourner au dernier site de grâce et puis je vais... Pardon. Et je vais aller récupérer un petit peu de... Récupérer un petit peu des papillons. Du coup. Les papillons. Je sais qu'il y en a... Il y en a en général autour des bras zéro. Après, faut aller retrouver les bras zéro. À côté du village de la porte, il y en a. Si j'arrive juste à les récupérer comme ça. En mode gotta go fast. Un petit coup de... pour être un petit peu mal poli. Ah, et je sais aussi que j'ai manqué un petit boss. J'ai manqué un petit boss sur le pont. Je vais voir si faire passer le temps jusqu'à la nuit. La première fois que je fais passer le temps dans le jeu. Et en plus il pleut, merveilleux. Alors, faut juste que je retourne au pont. Faire un autre boss avant de claquer un boss peut-être un peu trop puissant. Et puis aussi faut dire que j'ai plein de runes, donc à la limite, si vraiment que je vois que je suis vraiment dans une impasse. Aïe. Et le voilà. C'est bien lui. Cavalier crépusculaire. Ouf. En tout cas, son cheval, il pète la classe. Et lui aussi, accessoirement. Ok, petit stomp. Alors bien sûr, hein, on fait les combats, on fait de la joute. On va se jouter dessus. Ah, s'il pouvait se casser la gueule, ce serait tellement marrant. Ah, oh putain de merde! Oh, il est un papillon! Oh la vache! Ok, il slash. Il fait des beaux slash. Voilà. Ah, je rate mes attaques chargées. Ah, oh la vache! Ok, il fait mal. Et pas que la classe Tronhuc aussi le pète. Ouais. C'était un bon exemple de pétage de Huc là. Ok. En même temps, je m'échauffe contre des boss. Autant dire que... C'est une idée de merde. Ah bah oui, mais merde, il fait jour, putain. Mais non, mais moi je veux qu'il fasse nuit. Faut qu'il fasse nuit contre ce boss. Allons. Allons bon. Bah, bon enfin. Non, j'ai envie de me faire un boss. Let's go faire un boss. Bon. Au moins, je sais que contre ce boss, quand je meurs, bah il refait jour.
Bon, au moindre coup qu'il me fait, faut que je me heal. Faut que je me dise ça. Je récupère. Et c'est y part. Aouh. Wow. Doucement, 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 doucement. Calme-toi, Jolly Jumper. Wow. Alors. Beaucoup plus agile que l'autre chevalier que je me faisais. Enfin, que l'autre cavalier plutôt. Si j'arrive à le désarçonner, dégager de son putain de cheval, ce serait cool. Merde. Bon, par contre, le lancier, il va me casser les couilles ici. Non, loupé. Je tue quand même. Merde, 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 merde. Non, je vais éviter, je vais éviter, je vais éviter. J'ai dit que j'ai évité. Putain, c'est Torrent qui a tout pris. Pauvre dada. Hop là. Oh le bâtard, ok. Oh la vache. Ok, il peut faire ça. Bon, Torrent, il est pas encore trop. Il a pas encore trop pris cher, ça va. Le lancier, il va me casser les couilles. Il est heureux ton cheval au moins, mais il a intérêt! Il a intérêt à être heureux! Alors par contre, je suis plus en train de taper le cheval de l'autre que le mec en lui-même. Attends, je récupère les papillons. Ça valait le coup, putain! Je suis mort pour des papillons, ça valait le coup! Alors, j'ai bientôt dézingué son cheval. Aouh! Par contre, mon cheval, il est bientôt dézingué aussi. Aïe, 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 aïe. Et non, non, non. Faut que je m'heal, faut que je m'heal. Let's see. Oh la vache. Non, 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 je tombe. Je tombe pas, je tombe pas, je tombe pas, je tombe pas. C'est pas autorisé de tomber. Ah non 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 non. Oh un cadavre, j'avais pas vu. Oh putain mais tout le monde s'y met, bordel. Mais non mais c'est pas autorisé ça. Au shot l'arbitre. Ah putain. Je prends cher plus à cause des mobs qu'à cause du boss. Bientôt perdre son cheval. Ok, désarçonné. Je me le fais à pied? Ah non, il le... Ah bah ça va. Enfin ça va. Non, oui, enfin oui, mais non. Enfin oui. Oui, ça va. Au moins ça me permet de rester sur tour et pas me sentir comme une grosse merde. Bon par contre il a pris... Aïe aïe aïe. Ah non 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 non. Hein. Passeur veut comment te occuper. Je lui ai donné des baies à bouffer en plein milieu du combat, c'est bon, il va pas pleurer. Eh. Un cheval de guerre. Non, c'est pas vraiment un cheval de guerre, mais... Bon. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je fais plus de dégâts à son canasson qu'à lui. L'autre problème, c'est les connards. Pourquoi je skip deux fois la nuit? Je viens de passer 2 jours à rien foutre. Et puis en plus il y a le...
Il y a toute la congrégation qui se ramène là. Eux, faut que je m'en occupe avant d'aller. C'est bon, c'est déjà un problème en moi. Mon prochain problème, c'est lui. Voilà, comme je disais. Je suis chaud, fiac là. Le problème, c'est qu'il est extrêmement agile là, le. Il est extrêmement agile, Sleepy Hollow. Hop! Par contre, au bout d'un moment, si je m'éloigne trop, il va vouloir revenir sur le pont. D'où j'ai raté mon attaque. Au secours. Voilà. Ah ouais, ça charge pas à l'infini. Merde. Aouh! Ah le salaud! Oh ce salaud! Oh garnement! Let's go! Wouhou! Ça va passer, ça va passer, ça va passer cette fois. Vous sortez le second try? Parce que moi non. Oh, il me laisse lui défoncer le cul. Oh là là, je lui défonce le cul. Mais avec aisance. Descends ton cheval, César! Aïe. Allez, c'est gratuit. Ah là, merde. Ok, d'accord. Ça me fait pas forcément de dégâts, mais je sais pas si c'est Torrent qui a pris. Je sais pas combien de dégâts il a pris, Torrent. J'ai pas regardé ça. Barre de vie. Moi par contre, la mienne, je la vois très bien. Ouf. Oh chiche. Oh chiche. Y'a rien qui va dans ce combat. Ah si, ça passe, ça passe. Waouh, pas que je tombe, pas que je tombe, pas que je tombe, pas que je tombe. Tranquille. Ah, pas tranquille. Pas tranquille. Torrent, ça va, Torrent, ça va. Oh, faudrait peut-être aussi que je fasse des dégâts à ce connard, parce que là, c'est plus son cheval qui prend. C'est clair qu'une lance ou une hallebarde à cheval, c'est god tier. Ah, ce serait génial. Le problème, c'est que mon build, il est dexté. Il est pas force. Putain, merde! Ah, et puis il y a la congrès. Il y a le truc qui est en train d'arriver là-bas. Ah, merde! Putain, je rate toutes mes attaques. Let's go. Oh, 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 oh. Tu vas te calmer, tu vas te calmer. Elle va se calmer, Mercredi Adams. Non, trop tôt. Wow. Ouch. Je mets le cas où, je mets le cas où. Ce serait con. Ce serait con, aussi proche du but.
Oh la vache. Non, 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 ça serait dégueulasse, ça serait dégueulasse. Merde. Non. C'est le canasson, c'est le canasson qui a pris. Oh, si je le désarçonne. Il est mort. Let's go. C'est pas vraiment un cheval de guerre, mais y'a pas le choix. Ouais, c'est pas vraiment faux. Cendre de guerre et stock répété, parfait. Ouh. Bien joué, Torrent. Bien joué. Ok, j'aurais au moins fait un boss. J'aurais au moins fait un boss ce stream. Cool. Du coup. Là, j'y étais allé. J'étais pas allé plus au sud. Mais est-ce qu'il faut que je garde le sud pour plus tard? Estoc répété, c'est un truc de Dex, ça, non? Ouais, bon, très certainement. Attends, je vais me foutre à l'abri. Oh, une ruine. Attention, je pense que... Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Utilisables sur les armes capables d'estocade, sauf les armes colossales. D'accord. Non, est style. Bah après les stocks, ouais, c'est plus Dex. Ah, merci le jeu qui. Octroie des affinités et compétences sur une arme. Putain, pourquoi j'ai pas mis ça sur. Pourquoi je mets pas ça sur mon épée? Ce serait cool. Ou alors l'entaille sanglante. Sauf qu'après. Mon épée, je sais pas si elle est. Elle fait pas des stocks, elle, je pense. Attends, faut que j'aille. Faut que j'aille à un site de grâce. Se reposer près des sites de grâce. Cendre de guerre, voilà. Ah, je peux. Je peux. Ah, intéressant. Intéressant. Parce que si je le, si je lui donne l'entaille sanglante, j'aurai des il y aura léger malus. Par contre, le cumul de saignement, il sera pas mal. Bon, la garde, après, je me protège pas énormément. Elle fera beaucoup moins de dégâts physiques. Elle fera beaucoup moins de dégâts physiques. De toute façon, c'est normal, j'ajoute un truc pour, le, de, pour lui donner un pouvoir, donc... Est-ce que je lui mettrais pas plutôt en taille sanglante? Le truc... Ah. Vas-y, je lui mets... Vas-y, je suis un fou dans ma tête. Je teste. Ok. Ok, ok. Tu sais tant que ça fait des dégâts. Oui, oui, c'est sûr. Alors, ça met un petit moment à trigger. Après, contre un boss, je suis pas sûr de son efficacité. Je regarde sur les autres cendres. Ça j'ai rien, ça j'ai rien. Ça je peux pas mettre. Ok. Piétinement orageux. Passe avec la déterre. Ça serait bien pour... Stayer ça.
Plusieurs couloirs. Ouais, aussi. Mais après, y a un petit temps de. Y a un petit temps pour trigger. Voilà, un petit temps pour trigger. Oh, tester sur le gros coup. Ah, why not? Vas-y, on fait ça. Oh. L'arbre-monde me parle, on dirait. Il m'octroie sa bénédiction. Bah écoutez. On va aller voir ça. Eh hey, toi, je te défie. It's time to duel. Je suis en train de faire une grosse connerie. Alors aussi, il faudrait que j'apprenne à faire gaffe. Ah, pas mal. Ok, pas mal. C'est pas trop dégueu. C'est vrai que... Encore faut-il... Faut-il que j'arrive à le placer. Faut arriver à le placer, hein. Faut vraiment arriver à le placer. Note à moi-même, pas utiliser ça contre des ennemis avec un bouclier. Ennemis avec un bouclier et stock, ça va nulle part. En tout cas, ça le stun un petit moment. Sac à boudin. Ah, je le vois jamais arriver, ça. Putain d'attaque de merde. Waouh, au secours. Eh, hey, Jean-Jérôme, va te calmer. Ennemi à bouclier, c'est la merde. Avec la lance, ça aiderait pas mal. Ouais. Ah tiens. En parlant de lance, c'est toi qui avais parlé de lance, Z? Parce que là, franchement, t'as visé juste. Le fait que ce soit le dernier coup qui stun, c'est pas ouf. Ouais, voilà. Alors, je peux me la mettre si je la tiens à deux mains. Donc, pour être potentiellement sympa. Potentiellement sympa. Donc plutôt sur cette épée, lance force. Oui bah oui, fatalement. Mais après si j'attire à deux mains, ça va pas le faire. Du coup, ce que je mets plutôt détermination, c'est qu'après. Je peux me la mettre si je tiens. Je peux me la mettre si je tiens à deux mains. Bah écoute. Ouais. Ah, je sais pas, ça m'énerve. Vas-y.
toute façon, il y a Cantestan. Ça fait potentiellement plus de dégâts. Je dis bien potentiellement. Ok. De plus. Au niveau équipement, j'en suis où? 37. Est-ce qu'elle est lourde? Ouais. Ouais. Ah, quoi que je me rajoute, ça va être lourd. Sinon, faut que je m'enlève de l'armure. Ou alors, j'enlève. Ouais, je vais me retirer ça pour le moment. Bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Sinon. Ah, c'est lourd quand même. Elle pèse combien? 6, 5. Ah, quand même, elle est lourde, hein! Je m'en garde pour plus tard. J'ai déjà essayé avec ça. Je vais me fabriquer déjà un petit pot. Voilà, 4 enduits. Ça pourrait être pas mal. Et on retourne à Valorage. Si vraiment, vraiment, j'y arrive pas, je claque mes runes. Je claque mes runes en mode pas les couilles. Bon, tant pis, je les sème, hein, je vais pas. Alors, le premier coup, c'était un prank, hein, bien entendu. Ouais, c'était un prank aussi, je voulais pas vraiment le tuer. Ok. Alors, je m'équipe déjà le pot incendiaire. C'est parti. Let's go! Ok. Auto. Ok. Je vais pas beaucoup parler, hein. Ok. Très bien. Oh putain, sérieusement, ça passe? Ah, je pensais pas que ça aurait passé. Ouais, un petit coup ici, histoire de l'énerver un petit peu. Petit coup ici, histoire de l'énerver un petit peu. Petit coup ici, histoire d'énerver un petit peu. Un petit coup ici, histoire de me remettre sur le droit chemin. Wow! Je me suis jeté dans la gueule du loup, littéralement. Voilà. On est bien, on est bien, on est bien. J'ai pas osé attaquer. Merde. Wouh, ça va. Son bulky, j'arrive à le voir à peu près maintenant. Très jolie corne en tout cas, c'est pour compenser quelque chose? Voilà, faire un petit peu le tour. J'étais con, j'étais con, j'étais con. J'étais con! J'étais très très con. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais qu'il faut pas que je fasse ça, mais je l'ai fait quand même. En plus, il passait dans sa phase 2, c'est con. Ah, dommage, j'étais vraiment débile. Aïe. Mais on est sur la voie. Nous sommes sur la voie.
Bon, là maintenant, le souci c'est que j'ai plus de peau. Mais c'est pas grave. J'ai de la graisse. Autant au niveau du bide que dans le jeu, j'ai de la graisse. Ah merde! Ok, d'accord. Bon, bah j'ai plus de graisse. Ah, je suis con. Ah, c'est un peu débile. Pas grave. Histoire de l'énerver un petit peu. C'est pas grave, j'ai transformé cette Master Chias en Master Class, vous allez voir. Je vais autant bider que le The Event. Wow, la vache! Oh, let's go! Let's go, je le marave! Ah ouais, le détermination, il est pas mal. Finalement, j'ai bien fait de le mettre. Ok, je l'ai bien enchaîné là, je l'ai bien enchaîné, je trouve. Ah non, 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 non! Pas les bugs maintenant! Ok. Je suis con. J'ai fa... Merde, putain, c'est vrai que j'avais oublié sa putain d'attaque. Saloperie! Ah l'enfoiré, putain! J'ai paniqué. Putain, il attend un petit coup. Il attend un petit coup avant de me foutre son attaque. C'est ça qui m'a foutu dedans. Du coup, c'est ça qui est chiant avec ce mec, c'est que... Arrivé à sa deuxième phase, t'as peur qu'après chacune de ses attaques, il te fasse son attaque avec sa queue. Et comme c'est une très longue queue, bah t'as peur de te la prendre dans la bouche. Ça fait très très peur. Ah chier, je me doutais que ça allait être trop tôt. J'ai bien fait de pas faire une deuxième. Ok, voilà, ça triple. Là, je peux lui enchaîner deux. Son bouclier. Je peux lui en mettre deux. Bouclier, en mettre deux. On aurait peut-être pu attaquer là. Ah le bâtard! J'ai paniqué.
C'est parti. Je profite de cet instant pour mettre une petite détermination. Enculé de jeu qui bug. Voilà. J'ai le cœur qui palpite. Hein. Je tiens à vous le dire. Et je suis pas cardiaque. Du moins pas encore. Wow, ça c'était classe cette image. Par contre, je devrais quand même me heal. Est-ce que c'est pour ça que je le fais? Non. Ah non, j'en ai claqué deux! Mais qu'est-ce que je suis con! Mais quel abrutifique je suis! Le salaud! Je déteste quand il fait ça! Allez, vas-y, fais ton malin, fais ton mariole. Voilà, je t'attendais, mon salaud, là-dessus. Enculé, tu m'attendais aussi. Que personne me demande l'heure, s'il vous plaît. Je vous l'ai donné au début du stream, maintenant vous vous démerdez. J'ai pas osé attaquer. J'ai pas osé attaquer. Voilà, j'apprends de mes erreurs. J'apprends de mes erreurs. Tony Stark, il a fait pareil, et du coup, chacune de ses armures devenait plus puissante à chaque fois. Salut, il me l'a pas fait cette fois. Hein. Putain, il me l'a fait plus, l'enculé! Il voit que je tombe pas dans le piège. Il est intelligent. Oh, mais c'est qu'il devient intelligent, le petit connard. Allez, vas-y, une dernière détermination. Là, je peux plus l'utiliser. C'est pas grave. Saloperie. Me soigner au cas où. Oh putain! Oh la flûre! J'ai eu de la chance. Je le vois plus, c'est une mauvaise nouvelle. Je le vois, c'est une bonne nouvelle. Salaud. Du coup, maintenant que je sais qui. Après chacune de ses attaques, il peut potentiellement faire ça. Je m'éloigne un max, ok. J'ai eu encore du bol. Non! Putain! J'ai encore eu beaucoup de bol là. Ah, je vous le dis, là c'est pur bol. Putain, je veux me sécuriser un coup. J'ai pas envie de...
Excusez-moi, je m'ambiance tout seul. Ah putain! Oh sa mère la chouin! En tout cas, ça prouve une chose. Je pense pas que je suis encore prêt pour Valorage. Je pense pas être encore prêt pour Valorage. Alors. Tenterai-je un voyage vers le sud? Ce qui paraît en ce moment, il fait beau. Vas-y. On tente le sud. Oh putain! Oh quel pied! Ça va. Patience et détermination. Finalement, c'est tout ce qu'il faut dans le jeu. Ah, les gros crabes. Mes amis. Allez, cap au sud. Quoique, attends. Je crois que j'avais loupé des trucs hein, ici. Pour sûr, j'ai loupé des trucs sur la rive. Plus aller sur la rive. Je vais plus aller à la plage. On va pas aller à Marseille, on va aller à Brest plutôt. On va aller on va plutôt aller à Saint-Malo si ça vous dérange pas. Ah ouais, excusez-moi, je suis en train de gerber en même temps. Hein. M'excuserai. Quand je dis que je suis malade, c'est pas pour rien. Peut-être falloir que je me renseigne quand même un peu plus sur les cendres de guerre. Bon là je peux, il va pas y avoir de soucis. Voilà. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Ah mais oui, il y a l'autre connard qui m'a parlé d'une grotte sur le rivage. Le mec qui ressemblait à un singe là. Mais oui, bien sûr. Oh, une corde, au cas où je voudrais me pendre. Bon, en tout cas, j'ai trouvé une grotte. On va y aller. Oh. Deux petites minutes. Voilà. Là-bas, il y a un marchand nomade. Je sais pas si je lui avais acheté des trucs. J'irai après. Bonjour. Grotte marine. C'est une grotte de droite. Oh non! C'est le poteau? Ouais, compte pas là-dessus. Moi j'y vais. Je suis un fou dans ma tête. Alors déjà. Alors je me repose à côté d'un mec qui est en train de crever, hein, mais tout est normal. Vous en faites pas. Tout est absolument normal. On va monter la foi. On va monter la foi. Et c'est tout ce qu'on peut monter. Alors. Il fait noir comme dans un cul, mais c'est pas très grave. On avance à pas de loup. Je t'avais pas vu, toi!
Peut-être pour ça que je devrais peut-être remettre ma torche finalement. On va peut-être remettre la torche. Bon plan? Mauvais plan? En plus, si je passe à côté de certaines petites choses. Bon, si je tape des esquives, j'ai déjà vu hein, ces connards donc. Mais en meute, ils sont très casse-couilles. Ça va. Alors, avant de descendre plus profondément. Ok, 1, 2. Ah, ça doit être un passage par ici. Alors, c'est peut-être potentiellement un passage par là. Donc, du coup, je vais aller voir. Oui, c'est complètement un passage. Enculé! Ouais, eux, leur strat, c'est bouclier croulant. Yes, let's go. Oh! Vous êtes nombreux. Eux, leur strat, c'est vraiment encercler. Pour démonter la gueule. Je les avais déjà trouvé. Je les avais déjà vus. Œuf de pieuvre terrestre. Dégueulasse! Nom de Dieu! Marque d'invocation. Vous êtes stylé, monsieur. I got a bad feeling about this. Ouais. Ouais. Finalement. Ah bah merci! Salut les mecs! Alors? Vous venez plus aux soirées? Chef semi-humain, let's go! Putain de bordel de merde! Oh! Damn! Oh, j'ai du bol! Là aussi j'ai du bol. Je m'occupe des petits avant. Je m'occupe des gros. Ah ils font du saignement. Il faut du saignement. Ils font du saignement. Et ils sont deux. Et ils sont deux. Bon. Du multi-ennemi. Finalement la marque de... Je pense quand même que je vais prendre la marque d'invocation. Pas vous mentir. Je vais quand même prendre la marque d'invocation.